Salutations, chers amis, fidèles internautes de Congo Dialogue. Moi, c'est Joseph Boala International, en direct de l'Afrique du Sud, bien sûr en direct de Cape Town. Très ravi de savoir vous êtes branchés, connectés, à suivre nos émissions. Merci de pouvoir être abonné de notre YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le pour être informé au temps réel. Voilà, l'ancien vice-président congolais, Yerodia Abdoulaye Ndombassi, est mort ce mercredi 19 février à l'âge de 86 ans. Il fut compagnon de chef chez Che Guevara et l'un des plus proches soutiens de Laurent Désiré Kabila, dont il fut chef de cabinet et ministre des Affaires étrangères. Il était malade depuis plusieurs années. Et vers les premières heures, M. Abdoulaye Ndombala nous a quittés vers 5h du matin à l'hôpital Centenaire, le cinquantenaire. Suite à une longue maladie. Je parle de M. Abdoulaye Ndombassi qui vient de nous quitter. Alors, je ne serai pas seul. J'aimerais avoir plus de confirmations, plus de précisions avec notre correspondant Eric Boukoula, qui est l'analyste politique à partir de Kinshasa, pour pouvoir nous entretenir avec lui, nous confirmant la cause, le pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que M. Abdoulaye Ndombassi puisse nous quitter. Je vais appeler M. Eric Boukoula pour que nous puissions nous entretenir avec lui. Merci à toi, maman Francine Gambé de la Belgique, pour le privilège que tu nous donnes d'être toujours connecté, la coordinatrice de ces sites de bonne manière. Sur ce, je profite pour présenter mes condoléances à toute la famille de M. Yerodia Ndombassi, les enfants, la famille proche, la famille éloignée, tous ceux qui sont proches de lui, toutes nos condoléances et paix à son âme. Restez branchés pendant que je vais appeler M. Eric Boukoula pour qu'on puisse nous entretenir sur la mort de M. Abdoulaye. C'est que vous avez bien, ça fait un bout de temps, dans le Congo Dialogue aux autres, on a sous-souté pour des raisons une autre. Vraiment, tous yeux à pied levé. Eric Boukoula, toujours correspondant au travers Congo Dialogue, puis l'émission Abisso. Je suis Boula Bengu en direct, pose la confirmation, il y a disparition, il y a M. Yerodia Ndombassi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai décidé de l'eau. L'hôpital est à cinquantenaire, voilà, après une longue maladie. Et ça, il y a solo. Ok, donc nous confirmer que M. Yerodia Koufi, vraiment, il y a solo, il a pris une longue maladie. Vous avez dit silence, n'a eu quoi? D'abord, il y a un là ou comment? Oui, en tout cas, selon ma proche, c'est-à-dire ma maman, ma famille, n'a malade, on est où, mais là, qui moi? Où, mais là, qui moi? Alors, et je suis presque. Presque, bah moi en tout cas, donc voilà. Voilà. Ah, okay. Est-ce que vous pouvez nous dire une information? Est-ce que vous savez la cause de la maladie? C'est dû à quoi? Âge ou comment? Parce qu'il y a 86 ans maintenant là. Bon, ce qui filtre officiellement, c'est vrai que une longue maladie. Alors, nous sommes encore en train de poser là-bas des détails. Aussi, moi, et qu'on, dans les heures qui viennent. Mais il faut dire aussi que l'âge y est pour beaucoup, parce que M. Rodi a été déjà dans sa 80aine. Donc, Anaki, vraiment, beaucoup l'âge de Poussanaki. Mais voilà, il y avait aussi la maladie. Donc, des précisions sur la maladie, Toropé, ça va sûrement très bientôt. Ah ok, merci beaucoup pour cette confirmation. Je signale un téléspectateur Congo Dialogue que j'appelle, je reçois M. Eric Boukoula, parti de Kinshasa, notre correspondant, analyste politique, Mohamba. Yokanite après tout. Bon, anyway, tout ça, on a ta cadre à Matanga. Dis-nous un peu, Naba Téléspectateur, peut-être basé un peu, moi, oublie à Mouke, moi, recap Mouke, qui était M. Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Bah, M. Yerodia Abdoulaye, c'est l'un des piliers. Il y a Bitouma, il y a AFDL. Et à l'entrée à AFDL, il a, avec Mzé, c'est l'un des proches de Mzé, il a occupé beaucoup de postes ministériels, dans les affaires étrangères. C'était un grand diplomate, il faut le dire. En tout cas, dans les sciences de Mzé, il était toujours là. Il a même été vice-président.
À une époque, à l'époque, il y a 1 plus 4. Mmh. Donc, voilà, il était. C'est un grand combattant de lutte. Voilà, donc c'était parmi les piliers, parmi les fondateurs. Il y a AFDEL. Et après Wana, il était devenu sénateur aussi. Mmh. Il est devenu sénateur. Mmh. Voilà. Mmh. Il est devenu sénateur. Bon, en fait, c'est ce qui nous tique un peu. Disparition d'ailleurs après la prise du pouvoir, il y a. Le fils, Joseph Kabila, on n'a pas pu même mentionner son existence pendant tous ces 17 ans, 18 ans que Joseph Kabila a été au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, ça, cela relève de la stratégie peut-être politique. Il y a le fils. Mm. On remarquera qu'après qu'il ait consolidé le pouvoir, le fils avait vraiment écarté l'ancien. Compagnon de lutte, il y a Papa Naï, pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'il se disait que Baron et Baïlu, il y a une erreur. Hein. Pour une raison ou pour une autre, il les avait écartés en tout cas. Mm-hmm. Et il n'est pas le seul. Omnios, Mwende Kongolo, en tout cas, Omnios, Tavaï, qui n'a le père, a écarté Kibaro, Missoko, c'est Baron, ambassadeur Moussika. Et c'est ce qui explique aussi que Yerod, après vice-président, il était aussi devenu. Presque inexistant sur la scène politique. Est-ce que ça va compte à rendre tes s'il faut l'analyser comme ça? Parce que tu as se rappelé que Tozala qui quand même na Yerodi à Moko Bwendomba si ou ya battre quand même à Sala qui m'a marqué qui quand même histoire politique n'a entré à Afdel et puis du coup à Bunga na et puis bon Lelo les 19 février à Koufi maman ce que tu remets Kosutuka et Azala rappelé kaka na Katia Kinshasa ou na Katia Congo. Règlement de compte, je ne sais pas vraiment. Règlement de compte envers qui, Naniazo, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis, mais je pense plutôt que c'est la stratégie de Kabila, de Kabila le fils, d'écarter par collaborateur, il y a le père, pour une raison ou pour une autre. Donc c'est ce qui avait expliqué un peu. D'ailleurs, Yerod a dit parmi quelques hauts bâtiments qui, quand même. Dans ma position après que le fils a son pouvoir. Donc, règlement de compte, je ne vois pas comment. Ah, ok. Qu'est-ce que la classe politique congolaise peut apprendre dans le parcours à Yerodia? Vous, en tant que des politiciens, quoi, en tant que même des analystes, et puis dans la classe politique, il y a l'Elo Oyo, et puis surtout que c'est le nouveau président et tout ça. Par rapport à parcours naïe ninga sala qui avec le dauphin aussi Laurent Désiré Kabila. Il y a surtout sa constance, moi c'est ce que je retiens beaucoup. C'était un combattant assidu, vous savez, pour la Kabila la Mutu comme Mobutu, c'était pas chose facile. Donc Kabila le père avait qui était ici, c'est un monsieur très. Parce que tu es bien, Bakotaki, ils étaient un peu comme infiltrés, un peu comme sous emprise, il y a voisin de la mission, notamment le Rwanda. Alors il fallait des gens qui savaient comment Kobima l'a emprise, voilà. Et surtout sa constance, comme je l'ai dit, et sa loyauté. Envers Laurent Désiré, le père. Moi, je me rappelle toujours la phrase Naé, le jour où il la raison funèbre, Naé, la lueur, il disait je refuse que vous soyez mort. Donc, il voulait qu'on fasse vivre Edo Kouana dans la Kati Tabango. Il voulait pérenniser l'héritage Wana, il y a Kabila, le père. Donc, surtout, loyauté, c'est ce que. Je comprends, je retiens de lui, M. Abdoulaye Ndombassi. Voilà, merci beaucoup, M. Eric. La RDC pleure un peu, pleure encore. Il a continué encore à pleurer à la disparition. Il y a M. Abdoulaye, l'homme en gilet, n'est-ce pas? Ton nom, l'homme en gilet. Je ne sais pas, il avait au moins 2580 gilets par rapport à ma veste, apparemment, à ma garde-robe. C'était son style vestimentaire. Comme lui, d'ailleurs, Mouzé, c'était plus la safari. La safari. Voilà, et lui, c'était gilet.
On se disait, hier soir, quand il y a un shop, on va nous faire un gilolet de veste. Un mariage veste. Hein? Dans les gilets. C'est ça, ma stratégie à Mickey qui aide beaucoup en politique, surtout pour se faire remarquer. C'est comme ça qu'on le verra. Et là, le père, il a utilisé Amina Safari. Le fils, Mandef, voilà, peut ça la distinguer, il faut le dire. Ça y est. Tu as toujours un style, là, c'est ça qui est marqué. Pour que laissez-moi ma empreinte, oui. On se rappelle avec c'était Abacos. On dit son chapeau, son fameux chapeau de léopard nakan nae. Donc on dit que style vestimentaire, ça parmi Babiloko Oyo et Tikala attaché la personnalité à un personnage politique. Voilà, l'homme en gilet, monsieur Abdoulaye Ndombassi Yerodia, l'homme en gilet, il a quand même marqué son parcours dans la RDC, dans l'histoire politique et surtout dans la prise au pouvoir. Il y a entré Afdel. Ils ont fait que le régime de Mobutu puisse quitter la RDC après 32 ans de la dictature. Les loyaux à Tikabi Soban Bazo pouvoir. Mais à Zabunga qui m'a mouqué par rapport à l'histoire politique naïe. Bon, comme a dit soulevé M. Eric, bon, le fils a voulu, il avait ses raisons à écarter qui la course politique. Eric, votre mot de la fin et puis un message dans le corps politique Nyonso par rapport à la disparition de Abdoulaye. Alors, on a insisté surtout sur un point là. Il y a loyauté, surtout pour la personnage politique. Bateau basé dans la carte politique, surtout biso la classe montante. Ah ouais, j'ai vu que loyauté, c'est un sérieux problème, tellement que tout est guidé par l'argent. La plupart des jeunes, basé dans la politique, c'est juste pour se faire un peu d'argent, c'est pour se faire, c'est créer moi. Espace naïe, alors on le fait au prix de tout, au prix même de la loyauté. C'est comme ça que vous aurez Moutouyou. Et c'est, je crois même, j'en avais parlé, sur le talibien, Raïs, quelque part, il a sacrifié génération, ma jeune Nyos, on a fait perdre. C'est pourquoi, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait la satilité Nabarro. Qui sont là, ils sont des flatteurs, juste parce que l'indi moi positionnement et après ils peuvent changer. Et ce ne sont pas seulement les jeunes, on le voit dans l'ancienne classe, tout ça, dans Batibala, Zaki Koto, Aki Koto, on les encore, ils sont prêts à partir, ou qu'ils ne partent tout, pour bien aller le raïs. Inconstance. Oui, c'est inconstance, on devient, quand on n'est pas loyal à une personne, quand on n'est pas loyal à une cause, on devient inconstant. Ceux qui bitumont ils ont bougé dans la loyale d'un côté ou bien ceux qui moutouent ils ont soutenu la loyale d'un côté, c'est très facile que vous changez de côté. Alors c'est une leçon que Bissot, classe politique montante surtout, faut retenir loyauté. On fait pas la politique pour s'enrichir, on fait la politique pour une cause, pour une cause idéologique. Parce que tout le monde est mambo kapoué, tout le monde est salabo. Pour ici, il faut parfois laisser partir tout court, n'est pas succombé dans ma vie. Voilà les grands hommes qui ont façonné ces pays-là, les types Mandela, ils sont pas des riches. Ouais. Mandela, c'était pas un riche. Moi, c'est parce qu'il était, il s'était concentré, il était constant à sa cause, à sa lutte, et voilà. Toute population est profité dans la Simanae. C'est ça un peu un leader, c'est ça, c'est un serviteur. Mais à Wabiso, ce n'est pas le cas. Quand le leader, c'est celui qui doit se faire beaucoup plus d'argent. Et on est prêt à aller ici. Les autres à la Mouka, les autres à l'hôpital à Cash, vous avez lobby FCC, et vous avez les jeunes du FCC à Calabaco. C'est quand même pas parler, c'est même ridicule. Les jeunes à l'équipe, la TV, monsieur qui a insulté le président Félix, par exemple, pendant. Toute sa carrière politique est insultée. Et du coup, quand il devait, il dit, à une équipe dans la média, il dit non, je demande pardon. Attendez, c'est ridicule. Après avoir insulté tout ça, là, il y a un pardon. Il faut à barrer la route, c'est-à-dire que Kidjale Loana a Boyango. Le voilà beaucoup mis à mon compte. Il y a un peu le système avec les corbeaux et les renards. Voilà. Eric, avant que je te laisse, j'ai reçu un SMS tout à l'heure. Maintenant là, tout de suite là, dès que moi, comme il connaissait quand même l'histoire, le vrai secret
de la RDC, Macomia t'a livré mon côté. Et bon, ça, c'est s'il faut parler de critique, quoi, un critique un peu livré, un peu savoir, Azo regretté. Comment s'est fait-il que le Baoba Lokolaye, il a quand même l'expérience politique. Atika t'a livré mon côté, message mon côté pour nous dire où sommes-nous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la RDC. Afdel, présence à Joseph Kabila dans le pays. Bah, opposant tout ça, tikata, bon, will ou comment dirais-je, testament moko sur le plan politique, bien sûr. Pour n'avoir pas de savoir que bon, on a voilà ce qui s'est passé à BCD. Regret n'angwana, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Parce que beaucoup fois, on a un livre, tout ça, sans message. Les préoccupations sont très fondées. D'abord, c'est général, hein, la RDC. On a un problème, il y a qu'on former une génération Ozoya avec. Qu'on passe par mon expérience, on est pas même à l'université, aux Anapossa Université. Je vais rester là, dit, Manuel Fignon, cela n'y a pas comme Pembe, il n'a pas formé de chef de travaux, il n'a pas formé d'assistant. Même la fonction publique, aux Anapossa fonctionnaires, on appelle mon robot Alingi Naekoti Kate. C'est ça aussi le problème. En parlant de Rodia, je ne sais pas encore, dans ma consommation, s'il n'a pas, il a laissé des ouvrages ou pas. Mais comme je venais de le dire, c'était une bibliothèque vivante. Ouais. Donc ça serait vraiment dommage si à profiter sans côté de la bise, parce qu'il connaît aussi beaucoup de secrets maramignons. Si les autres, les gens ont décidé pour moi, il y a David Le Père, puis parmi les bateaux, il y a un secret, il y a source. Il y a un peu. Voyez un peu, donc si Akoufi sans côté de la bise, ouvrage, on a tout connaissance, voilà, ça serait vraiment, vraiment dommage. Voilà, merci beaucoup Eric Boukoula, vraiment merci encore pour votre temps et merci encore une fois pour votre disponibilité malgré vos occupations au niveau de Kinshasa. Peut-être c'est pas un mot de la fin ou une salutation, n'abaoyayo quoi.